tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Je m'appelle Laura et je suis très contente de vous accueillir dans mon nouveau laboratoire. Et c'est vrai que ça fait un an que j'ai commencé YouTube et j'ai mis du temps à m'y remettre, mais me revoilà pour de nouvelles expériences, plein de choses à partager avec vous et j'espère que tout ce que je vais partager avec vous vous plaira. Chaud en attendant l'arrivée de l'été. Donc pour pouvoir faire cette recette, il va vous falloir pas mal de choses, mais je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, il va nous falloir une casserole. Donc dans cette casserole, on va y mettre les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire le chocolat chaud, la base du chocolat chaud, qui va nous permettre également de pouvoir décliner ça en trois sortes de chocolat chaud. On va commencer par prendre du chocolat noir. Donc moi j'utilise le chocolat noir de chez Lindt à 70%. Donc ce chocolat, je vais le mettre dans la casserole. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout. Moi c'est demi-sel parce que j'aime bien avoir l'arrière-goût de sel dans mon chocolat. Donc là je mets 2, 3. Voilà. On réserve. Ensuite, on vient mettre le cacao. Donc, comme vous voyez, c'est du cacao. Hop. Voilà. Ensuite, on rajoute le sucre, de la crème fleurette. Après ça, on rajoute 30 centilitres d'eau. Encore un petit peu. On vient mettre le lait. Même chose. À mélanger et ensuite après on prend la casserole et on met au feu le temps que le chocolat, la barre de chocolat fonde comme il faut et ensuite on revient. Donc, vous voyez le chocolat a bien fondu et là je vais le mettre de côté pour pouvoir enfin préparer le reste de la recette. Donc, on va commencer par cette première recette de chocolat simple, c'est-à-dire du chocolat chaud, très chaud, avec de la chantilly. Thank you.
recette de chocolat. J'espère que ça vous plaira. Celle-là, c'est bien la recette chocolat amande, amaretto et vanille de Madagascar. Là-dedans, c'est du pur chocolat avec de la chantilly. Et là, typiquement, une recette de chocolat chaud mexicaine avec du piment. J'espère que ce temps avec moi vous a plu. J'espère se retrouver rapidement à une prochaine vidéo. Merci. Likez si vous aimez cette vidéo et mettez-moi en commentaire votre avis. À très bientôt. Au revoir.